Franchement, je viens de tomber sur une vidéo choquante. Monsieur Rémi Lama, docteur Rémi Lama, c'est-à-dire le procès des anciens dignitaires, nous nous retrouvons avec des chiffons, des bons à rien qu'aux des juges. Je vais vous faire écouter un peu l'extrait et après, nous allons commenter. Je peux parler maintenant? Merci, monsieur le procureur. Je dis, quand je dis urgence, ça ne veut pas dire peut-être qu'il y avait totalement manque de kit. Mais le kit qui était là ne peut pas suffire toute l'étendue du territoire national en matière de prise en charge des femmes patrouillantes. Et mieux, je dis bien, compte tenu des remarques faites par mon prédécesseur par rapport à la qualité des intrants fournis par la chef de GDMC. Et par les structures qui recevaient ces intrants, qui reprochaient la mauvaise qualité des intrants, il fallait procéder à un appel d'offres. Et je le disais tantôt, la situation du MAP n'était pas à sa première fois d'avoir des marchés par rapport à la fin de kits sonus. Ah, même, monsieur le procureur, mais je ne suis pas obligé de vous suivre. Monsieur le procureur, vous avez parlé, je vous ai écouté. Je ne suis pas tenu obligé de vous suivre. Ali Touré, Charles Wright a fait pour lui, tu as vu comment Charles Wright est fini. Ali Touré, tu le sais bien, la maison que tu as achetée en Europe. Ali Touré, tu sais bien, la fille qui a bouffé ton argent, tu sais que je suis au courant. Ali Touré, continue. Continue à humilier les gens là, Ali Touré. Wallah, vous allez tous mal finir. Vous allez, c'est-à-dire, c'est votre carrière que vous êtes en train de mettre à l'eau. Vous avez vu comment vous avez poussé le monsieur à agir ainsi. Regardez. C'est-à-dire, je viens de tomber sur cette vidéo. Regardez comment monsieur Rémi, des docteurs comme ça, des personnalités dans le pays. Regardez. C'est-à-dire, vous manquez de respect à des personnalités. Regardez le procès du 28 septembre. Je tire encore bravo à M. Tunkara. Ça se fait dans le respect absolu. M. Tunkara, il est à la hauteur pour le procès du 28 septembre. Mais quand des bambins, des vauriens comme les Ali Touré, flanqués là-bas avec des petites personnes, insultés des personnalités. Oh, Amane, vous voulez que les gens vous respectent? Le procès des anciens dignitaires, on voit que c'est juste une humiliation, c'est tout. Ce n'est pas un procès. Si vous défendez les intérêts de la Guinée, le temps du président Alpha Condé, la Guinée sous le président Alpha Condé et la Guinée sous les bandits aujourd'hui, la souffrance des Guinéens, vous ne parlez pas de ça. Arrêtez d'emmerder les gens, ouais. Ali Touré, tu as envoyé ta famille. Avant, ta famille était où, Ali Touré? Ta famille était où? Si vous voyez que Charles est tombé, c'est à cause de ses mensonges. Quand on fait semblant devant le peuple et on est pourri. Tout, regardez les contrats. Rénovation. Le successeur de Charles, il a parlé. 15 véhicules. Où est l'argent? Où sont les véhicules? Vous savez poursuivre. Allez-y, poursuivez Ali Touré. Allez-y, poursuivez Charles Wright. Si vous voyez que M. Rémi Lama est en colère, c'est-à-dire c'est un manque de respect. Qui est mieux que qui en Guinée ici? Parce que vous êtes là qu'au procès,
Arrêtez d'emmerder les gens, ouais. Si ce n'est pas la justice des vainqueurs, c'est quoi d'autre? Il y a combien de ministres qui courent avec vous? Le soir, vous êtes avec ces gens-là. Vous ne les emmerdez pas, hein. Mais comme ceux qui ne viennent pas caresser vos fesses, là. Là, vous saviez les humilier. En tout cas, de la manière dont M. Rémi Lama a réagi, aurait été moi, c'est ça. C'est ce que Damaro a dit la dernière fois. Il n'y a rien dans ces choses. Vous voulez mettre-les en prison et foutez-nous la paix. Bande de nullards, de vauriens que vous êtes. Vous êtes en train de rabaisser ces personnalités, ces docteurs dans le pays. Des petites personnes. Ali Touré, qui est, toi tu étais qui avant? Tu vas te flanquer, te gonfler sur les gens. Parce que les bandits sont là. Sinon, toi devant la justice guinéenne, toi tu peux dire quoi? Ils sont en train d'humilier les personnalités là-bas. Docteur Kassori, Damaro, Docteur Diané, toutes ces personnes, des blacouros comme ça, Marafala, au blacouro. Parce que Mouya Guima, vous énervez les gens. Ouama, le respect, ça se mérite. Vous devez mettre en tête que personne n'est au-dessus de la loi. Au justice là-bas, Fendebe. Vous faites la justice pour qui? Vous appelez, vous humiliez ces pères de famille, vous les insultez. Des bons à rien comme ça là. Quand Mamadiara régime n'a pas fala. Si ce n'est pas le régime de Mamadi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Des petites personnes comme ça. Ils vous ont déjà dit. Ce que vous voulez, enfermez-les. Donnez-les même si vous voulez 100 ans. Si vous pensez que le pouvoir là c'est éternel, Mamadi Tofar, il n'a pas fait sortir les gens de la prison. C'est comme ça. Quand lui il a fait son coup d'état là, ceux qui étaient détenus là, il les a tous fait sortir, non? Awa, s'il veut, il n'a qu'à mettre tout le monde en prison. S'il veut, il n'a qu'à les donner 100 ans. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. La Guinée-Ka Birin, tout le monde a vu dans ces procès là. Il n'y a rien contre ces gens là. Rien. Rien du tout. Ali Touré, tu t'es flanqué ici devant tout le monde. Ali Touré, tu as oublié tes mensonges lorsque tu disais que Dr Kassori a une maison aux États-Unis. Ali Touré, tu es sorti pour demander pardon, pour dire aux gens non, je me suis trompé, Ali Touré. Tu t'es flanqué devant les médias à l'époque, sans faire d'enquête, pour mentir sur Dr Kassori, qu'il a une maison et il a une banque aux États-Unis. Il t'en voulait, fallait, Ali Touré. Tu as oublié. Lorsque tu racontais tes bêtises qu'au docteur Kassori, à part Kaoto, Ali Touré, tu as oublié. Lorsque tu disais qu'il est actionnaire à Sheraton, propriétaire à Plaza Diamond, Ali Touré, tu as oublié. Autant vous le fallait, Matombede. Vous flanquez maintenant, manquez de respect. En tout cas, merci. Si vous voulez, hey, fermez-les. Mais le peuple a compris qu'il n'y a pas de justice. Vous avez fait le coup d'État, non? Vous les avez mis en prison. Oh non, Mami Serasson. Vous avez retiré leur passeport. Vous avez gelé leur compte. Oh non, Mami Serasson. Vous voulez les tuer. Oh, Fara. Agnon. Oh, on a parodie de justice. Oh, vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? Parodie de justice. L'affaire de Damaro. Vous avez dit 15 milliards. Il est resté 6 milliards. Où sont les 6 milliards? 6 milliards traces. Les 6 milliards ont été bouffés. Vous avez cherché à savoir ceux qui ont mangé les 6 milliards? Non. Pourtant, les 9 milliards, tout a été réparti. On vous a dit, vous avez appelé Kim, qui est milliardaire. Il vous a tout expliqué. Mais malgré tout, vous gardez les Damaro. Vous les gardez. Wakulo, ceux qui ont volé dans ce pays. Si vous avez fait de procès là, dites-nous les 30 millions de dollars que Mamadi a pris le jour du coup d'État. Où est l'argent là? Khaoufata procès Rabade. Demandez, Mamadi a pris les 30 millions là. Il a fait quoi avec cet argent? Il y avait plus de 1 milliard, près de 2 milliards de dollars au trésor. Où se trouve cet argent? Ils ont tout dilapidé. Ils ont fait quel projet? La misère sur les Guinéens. Ali Touré, Marafalaibé, Evana Fouyantea, Ande Barakwa. Tu vas mal finir devant tout le monde. Wallahi, Arabamane. Ceux qui sont, par exemple, ministres et autres là, pour eux, ça va.
Mais quand tu es à la tête d'un département comme la justice et comme un procureur, entre toi et le bon Dieu, ou à Colomb, l'argent que vous avez pris avec beaucoup d'anciens dignitaires, autant bien Mérée à Colomb, parce que Mérée Togaro, des menteurs comme ça, des manipulateurs, ou votre équipe d'escrocs que vous avez mis, allez voir les gens, si vous ne donnez pas ça, et on va vous envoyer. Hé, Nabiri Minimane, Lorondi, autant fouillanté Mouniati. Abiri Minimane, Ali Touré, Nana Falebego, tout ce que vous avez pris avec les gens là, ou Abiri, vous allez vomir tout. Vous êtes véridique. Toi, ton salaire, c'est combien? Ali Touré. Ton salaire, c'est combien? Ta femme qui est en France, là, une année radiée, toi, ton salaire, tu peux t'occuper d'eux. Kaomoumouyetima. Vous êtes juste. Mais voilà, l'imane. Marafala, wallah, vous allez tous mal finir ici. Si vous voyez que ce monsieur a perdu son sang-froid aujourd'hui, regardez. Regardez, hein. Vous êtes des sages, s'il vous plaît. Ne me manquez pas de respect. Non, ne me manquez pas de. Je vous respecte. Non, ne me parlez plus de ça, s'il vous plaît. Vous n'avez pas ce droit de me dire que vous n'avez pas réfléchi. Donc, de quoi vous plaignez-vous? Voilà. Si vous voyez que le monsieur lève le ton, trop, c'est trop. Quand vous voyez que ces gens-là, ils veulent même pas être honnêtes ou respecter les gens. Ça ne veut pas dire que quand vous jugez quelqu'un, que vous êtes mieux que lui. Ali Touré qui va se flanquer au tribunal, le téléphone, et qui rejette. La Cour suprême décide. Vous partez insulter, manquer de respect aux gens. Eh, Ouama Faka, fait Ouama Faka. Vous voulez le mettre en prison, mettez-le. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as dit, j'ai eu mal pour ce monsieur-là. Otamu Kharang Nerebe. Ne Sigane et Kharang. Et doctorat Soto. Ali Touré, Mise Nitanira. Si ce n'est pas des gens comme Mamadil, Charles Wright, Ao Tantongo, Ao Fini procureur. Parce que Yokolo, Fuyante Nan Naura. Parce que Yokolo, Beni Wiwi Nan Naura. Sinon, il y a des gens en Guinée, en matière de droit, Nere Fissa Otambe. Et tu vas manquer de respect au monsieur. Il a bien fait de vous répondre comme ça. Oh, Managa n'a pas fait. Ça ne veut pas dire que tu es procureur, que tu es mieux que quelqu'un. Non! Tu ne le dépasses en rien du tout. C'est vous qui avez dit que vous voulez faire la CRIEF, savoir comment ils ont géré. Mais on dit comment ils ont géré. Mais les Guinéens sont là aujourd'hui. Demandez les Guinéens. La gestion du président Alpha Condé et la gestion du CNRD. Si c'est question de gestion, vous avez fait le coup d'État qu'au troisième mandat. C'est pas question de gestion, mais une manière d'humilier les personnalités. Les Guinéens n'étaient pas dans les rues pour dire, ah, la Guinée, non, on souffrait le sac de riz, nanani. Le sac de riz, c'est combien? Le nombre d'emplois. C'est-à-dire, arrêtez de fatiguer les Guinéens. Fermez vos gueules à un moment donné. Qu'au CRIEF. Comment un gouvernement pourri de merde, vous allez juger ceux qui étaient bons? Montrez-moi un département où les Guinéens peuvent dire Alhamdoulilah. Montrez-moi un département. Vous êtes en train de mal gérer. Vous êtes en train de piller. Vous êtes en train de voler. Vous allez juger les autres. Sur quoi? Sur quelle base? Au moins si les Guinéens voyaient le bonheur, vous avez apporté le changement aux Guinéens, on peut comprendre. Mais un groupe de nullards. Vous voulez qu'on vous respecte? Je vous ai dit, le respect, ça se mérite. Vous allez respecter les autres, on va vous respecter. Vous allez les respecter, on va vous respecter. Vous ne les respectez pas, on vous prend aussi comme ça se doit. Dites-nous, si la gestion du CNRD, ça a profité aux Guinéens, dites-nous, qu'est-ce que Mamadi a apporté comme bonheur? Sur quel plan? Dites-nous. Hein? En matière de santé, M. Rémi Lama, il était là. On a connu Covid. Je crois que si Covid avait commencé au temps du CNRD, c'est que beaucoup de Guinéens allaient mourir. L'expérience de Ebola, ça nous a aidés. La Guinée même a assisté d'autres pays parce qu'on avait l'expérience de Ebola, qui était pire que Covid.
Grâce à qui? Grâce au gouvernement du président Alpha Condé. Si c'est en matière de santé, là, vous êtes venu inaugurer l'hôpital. Donc, grâce à qui? C'est lui qui était le ministre, M. Rémi Lama. Vous allez dire quoi? Mamadi est venu. Il a construit quoi? Arrêtez d'emmerder les gens à un moment donné. Nefisa Otambe 10 000 fois. Ali Touré. Orana bêtisia. Orana parodie de justice. Wadan. Wadan, les gens sont fatigués. Et puis ils sont assis dans la salle, manqués de respect aux gens. Mais il faut respecter les gens à un moment donné. Il faut respecter les gens. Nous voyons tous l'un des procès les plus médiatisés, le procès du 28 septembre. Monsieur Tunkara, c'est-à-dire, quand il vous parle, non, il impose le respect. Il le fait dans le respect. Il ne lève pas le ton. Il a l'art. Mais Ali Touré, il va s'asseoir à son pied, un pied de fanfaron comme ça. Mara Falebe, Ali Touré, il fanfaron. Il faut porter plainte contre moi. Ali Touré, il fanfaron. Monsieur Tunkara, tout le monde voit le procès. Tout le monde. Il est, c'est-à-dire dans le respect absolu. Le procès du 28 septembre. Amaï était Tongoma Mibioma. Mais quand lui, Ali Touré, il rentre là-bas. Anna Kene, il part. Ama Kene, à Moussigama. Les Damaro, combien de fois ils ont demandé sa présence. Mais Anna Tankene, c'est là lui, il vient. Et quand il vient, il est au téléphone tout le temps, son pied sur la table. Tout le temps, son pied sur la table. En train d'insulter les gens. Et Mouyena Tifé, la Guinée, dit l'air. Ta famille est où aujourd'hui? Ali Touré. Il y a une famille Namindé. Nyenge Yiri ne Yira. Ibe Moumakolo. Teme di Naga, il y a un cobre d'ongo Naki. Il y a Kolo. Il y a Teme di Kolo. Naga na Belgique. Il y a Kolo. Atanga ima liyore. Il y a Bangisara. Mais, Akbalo Naga Sahari Fari. Il y a Kolo. Il y a Dera Bima. Parce que na cobre. Et à la fala nabre et rakobri don. 300 000 dollars. Mais rien maror mané. Et à la 300 000 bar minde. Mais on sait comment tu as eu l'argent là. Au arnaque naran na bar. Les anciens dignitaires. Au siga. Au mere menacé. Ok. Autant nga kobri fi. Au nou kobri fi. Au ra dossier. On va dire. Y a rien dedans. Biri na kolo. Autant malhonnête. Faites semblant devant le peuple qu'on a justice là-bas fait. Parce que wa kolo. Ceux qui ne vont pas se soumettre. On a dit que nous avons fait 10 000 fois. Nous avons fait 10 000 fois. Mais c'est Rémi qui est là-bas. Tu vas le comparer à quel ministre de la Santé, CNRD? L'hôpital que Mamadi a inauguré là, ce n'était pas M. Rémi Lama qui était le ministre de la Santé? Attends, il y a Covid n'a fait gérer. Ce n'est pas M. Rémi Lama. Il n'a pas bien géré. Donc, arrêtez de nous emmerder. Prenez l'exemple sur M. Tunkara. Le procès de 28 septembre. Prenez l'exemple sur ce monsieur. La Guinée-Ka, Birinto. Birin! Tout le monde a du respect pour ce monsieur. Nanou Findi, ministre de la Justice, ça ne va surprendre personne. Parce qu'à Colomb, à Rawali Colomb, il a l'art de le faire. Mais Ali Touré gonflé. Il a dit, taisez-vous. Vous devez savoir que vous êtes illégal. Mamadi est illégal. Anoumigyo, non, mais vous êtes illégal. C'est Moura. Il était beau, mané. Au moins, s'il y avait un concours national, aura diplôme, aura intelligence dans Ibirina. Nathan, il n'a pas eu été Tongodi. Il y a eu un concours. Ce n'est pas Mamadi qui vous a nommé. Mamadi a un diplôme. Mamadi Doumbouya a un diplôme. Mamadi a quel savoir-faire? Mamadi Misé Koula en matière de justice. Mengeya Akui. Espérance Mondou Naï. Après, vous nous emmerdez, ouais. Ntambara Falaobé, vous êtes en train de nous fatiguer. Vous voulez les mettre en prison? Mettez-les tous en prison. Déjà, ils sont en prison. Aura verdict, Wafala. Ok. Vous les donnez 100 000. Et 100 ans de prison au Nafala. 100 ans de prison au Nafala. Vous avez pris l'argent avec beaucoup de personnes. Parce que M. Rémi Lama, il ne va pas vous donner. Amoukobri Soma Ouira. Hein? Et Siga, et Khamedi, et humilié, Ali Touré. Ouamato.
Je vais rejouer encore. Regardez. Vous êtes ça, je n'ai Nadia, Ojimato. Non, ne me manquez pas de. Je vous respecte. Non, ne me parlez plus de ça, s'il vous plaît. Vous n'avez pas ce droit de me dire que vous n'avez pas réfléchi. De quoi vous prenez-vous? Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas le droit de réfléchir? Vous manquez de respect aux personnalités. Regardez-le. D'abord, Ali Touré, d'abord, il y a un écouteur, d'abord, signe d'impolitesse, nana qui signe, n'a pas l'air. Ali Touré, quand tu es le procureur, il y a un écouteur, il y a Bamane, Ituli, il y a assassin de couilles, signe d'impolitesse, nana qui signe. Quand il y a un procès, il y a. Tu ne vas jamais voir M. Tunkara avec des écouteurs. Signe d'impolitesse, nana qui signe. Il m'a dit, ma procureur, il y a. Quoi, Mato? Je peux parler maintenant. Merci, monsieur le procureur. Je dis, urgence. Malgré sa colère, il a un respect. Monsieur le procureur, mais quand vous vous adressez à lui, alors on aura dit Ménard. Prochainement, nous écouterons tout, Itulira Ali Touré. Quand on vient pour juger, écouterons-nous Nassé Ibiri. Téléphone quoi là, on met tout de côté. Mais c'est lui qu'on voit dans la salle, à sa intérieure terriblement. Il est au téléphone. Un manque de respect, Ali Touré. C'est pourquoi je dis, tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es même pas à la hauteur. Salle d'audience, Birimato. Tu ne vas pas voir un procureur avec des écouteurs, Ali Touré. Kaita Ngamara. C'est là où on sent que tu es une petite personne. Tu n'es même pas à la hauteur. La Guinée, juge na mene, nere lama erana place tongo. Itangamara. Siga sal birinkwe. Mouta, avocat mou mouta na ou bien. Droit mere mou mouta nade. Mais mou na gantoma. Siga yire birin. Sale birin. Mais itanan kere mpe. Procureur birin na téléphone na silence nama. Ana isetma. Mais itan d'abord, écouteur, impolitesse nana ki mara falebe. Signe d'impolitesse. Inu siga tiyama yara. Il y a un écouteur, il y a un bâman, il y a un sassin de couilles de côté. Tu te concentres. Il me sera même. Il me sera même. Personnalité modèle. Ministre Nandara. Afisa Ibe, Ali Touré. Khaimoua Manana Menfe. Monsieur Rémi Lama, Afisa Ibe. Donc, quand on vous donne cette petite chance aujourd'hui qu'on a de juger des gens, il faut les respecter avant tout. Vous avez oublié, le président Alpha Condé a fait la prison ici. Le président Alpha Condé, Amine Gueye, a fini Menguera. Mais il n'a jamais, les anciens dignitaires, les anciens de l'Ansana Conté, père son âme, à Moufenia Yurabara, il a même travaillé avec eux. Quand vous prenez feu général l'Ansana Conté, il s'est soumis, il s'est rabaissé pour le président Ahmed Sékou Touré, père son âme. L'Ansana Conté aussi, les dadis là, les Sékouba Konaté, ils pouvaient l'enlever, faire un coup d'état, comme Mamadi l'a fait, aller tuer les gens. Et Mounaraba, les dadis ont attendu que l'Ansana Conté se couche. Ils ont pris le pouvoir. Ok? Le président Alpha Condé qui est venu, là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour dadis? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Sékouba? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur la tombe de feu général Lansana Conté? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la famille de Lansana Conté? Ainsi que pour Sékou Touré, il allait faire des prières, il a fait tout ça là. Si vous vous gonflez aujourd'hui que tout est éternel, rien n'est éternel. Nanara, il faut tout nasarito pour que Dieu raconte. Fama Adama Mérinarade président Alpha Condé, non, la photo, on a mis cette photo aujourd'hui, ça fait 30e le 17
notre femme. Attendez, je vais vous... Trentième, le PRAC donnait naissance à la démocratie depuis le stade de Coléa, le 17 mai 1991. Mais regardez comment il a le sourire. 86 ans. Mengeya sagesse Nara. C'est-à-dire, quand tu parles avec le monsieur, tu ne sais même pas qu'il a vécu tout ce qu'on a fait. Ramengeya et Bahira. Tout ce qu'il a eu dans sa vie, Ebrim Bahira. Ara famille, Ara Guinée, Ara funérailles, tout le mal, mais il garde toujours le sourire. Le croyant. C'est-à-dire, Inouye, Président Alpha Condéra, mais tu te dis, Mata, Adam a dit, modèle Mounouna, Président Alpha Condéra. Nagam Biri Nabar, Moutanto Honoma, Tamou Honoma. Et le croyant, Aracina Moundoura, Miri Nagam Mouhonoma, celui qui s'efforce. Alors, Président Alpha Condé n'a nakine. Amouhonoma. Ou alors, son souci, comment la Guinée-Kéra, c'est-à-dire, Tore Nagana la Guinée-Kéfare. Attends-moi, Falama, ministre, quoi. Non. La souffrance des Guinéens. Amadou Massou, Amadou Toussara. Maman dit aujourd'hui, ce n'est pas des 4x4 américains aujourd'hui. Kagame est venu. Ce n'est pas des Jiwagen aujourd'hui. Les papas Fofana et Ramere Birina Nanankoui. La Guinée Kambara Nananfala. Walloy. C'est Dieu qui a voulu. Hein. C'est Dieu qui a voulu. Faux président va condamner, faux pose Nangaraba, la Guinée-Kéra Colomb. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Il fallait que le président va condamner Kitfeu pour que Nega Agrema, Nega Naga Amoufan, Amounoma Sincera, faut faire la différence tôt. Non, non, voilà, Allah, Dieu ne fait rien. Amou fait faire Abba Magbansan. Allez, Nega Mou président va condamner Rafa et Tambara Colomb. Allez, Mou. Sousa a falade et yagima. Mais ibara kolon au fond de eux-mêmes. Ara place nous la nagana. Et nous n'avons pas de ma menge. Nare, attanga waya moussesera, la gneke ratore. Na kontofili. Mais Alutouré, vous pensez que tout est éternel. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Rien. L'ancien Akonté a été là pour Sékou Touré. Les Dadis et les Sékouba ont été là pour l'ancien Akonté. Le président Alpha Condé est venu. Dadis était au Burkina. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Dadis? Même Sékouba. Tous ses opposants-là, les Sidia, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que le Fama n'a pas fait? Autant faire. Votre Mamadi Doumbouya aura patron, Ali Touré. Ara Sababou Kele Rominde. C'est le président Alpha Condé. Mamadi était légionnaire. Qu'est-ce qu'il a? Il pouvait faire. Ce n'est pas les forces spéciales. Il n'a pas utilisé la force là. Les forces spéciales ont été créées pour quoi? Pour lutter contre le terroriste. Il a été armé que toutes ses forces. Afinkar Tongo Asigan de compte. Président Alpha Condé regarde. Est-ce que si les forces spéciales n'étaient pas là, là, ça raconte tant combien d'années. L'armée a fait un coup d'État pour enlever. Même l'armée, ils ont été pour faire leur revendication. Et moi, présent, là, ça raconte Bana, le Rokiri. Ça a chauffé et ma Bana. Mais Mamadi, confiance à Renramak. La personne qui a été nommée, lui, il allait faire le mal au président Alpha Condé. Autant, M. Falama. Hé, nous sommes tous des Guinéens. Mengeya, c'est avec sagesse. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne parle pas. Demain, Mouwayamane, on est obligé. On est obligé. La Guinée Kanana Ombre. On est tous des Guinéens. On a vu l'UFDG et le RPG. Hier, c'était eux. Ça n'allait pas. Ils étaient opposés. Des fois, ils ne se parlaient même pas. Mais aujourd'hui, regardez nos leaders et les faux de Oussou. Regardez
le président Sélou et nos leaders, le président Alpha Condé, Dounia, c'est pour vous dire que nous sommes tous des Guinéens. Aujourd'hui, ça ne va pas. Maraba Mahar Linana. Que ce soit Ella Seloudale, Dr Kassori, les Damaro, là, ce sont des amis, ce sont des promotionnaires. Et Ebore Rafang, quand il y a le malheur dans la famille de l'autre, Ebore Rlimane. C'était comme ça. Mais autant, regardez aujourd'hui comment vous êtes en train de juger, humilier, rabaisser ces anciens-là. Vous pensez que quand les enfants des autres là vont venir, autant finir m'a dit. Quand on vous dit l'État, c'est nous tous, Birinara, Menrena, ceux qui sont à la tête, Ouarabama, Akhlinana, c'est avec intelligence, sagesse, mais pas avec l'arrogance. L'arrogance, c'est le signe de Shaitan. La sagesse, c'est Allah. C'est pourquoi il nous donne le temps. Dieu nous donne le temps. Mon amour a fait biri, mais en arrêt. Revenez à moi. Revenez à moi. Il fait rabakio, qui tu fais le mal comme Dieu te dit, il nous pardonne. Shaitan a juré, il va nous égarer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a juré, tant qu'on lui demande pardon, qu'on revient à la raison. Autant, avec l'arrogance, vous partez vous asseoir, insulter ces anciens-là. Ils ont un carnet d'adresse. Docteur Kassori Mato. Baouri a quel carnet d'adresse? Baouri, il peut apporter quoi à la Guinée? Docteur Kassori, son carnet d'adresse. Quand on dit Agnès, Mamiri, tous ces grands projets, oui, c'est l'homme. La sagacité de l'homme, Docteur Kassori. Savoir. Même aujourd'hui, on les rabaisse. Il y a combien de ministres qui se sont succédés en Guinée? Président Fakonde Rata. Mais on a senti, on a vu le vrai développement. Premier ministre Mundo Ratambouma. Les grands chantiers. Premier ministre Mundo Ratambouma. Qui a été en Chine? Les projets de route là. Premier ministre Mundo Ratambouma. Ah la Guinée. Mais tout à nana na gélito. Bouri et Masarama, c'est mon nom. Rien à Abu Dhabi, tout autant si gama denre. Lui n'a pas besoin, à nommer l'idée. À Bouri, à rapatener. Nanaki. Autant baisser l'arrogance. La Guinée m'a tourné à Kianre. Hein? La Guinée m'a tourné, mon adenre. Au lieu de créer un climat de confiance, vous avez vu les dadis, ils n'ont pas eu assez de problèmes. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un à la retraite. Malgré qu'il y a des fonctionnaires qui avaient atteint l'âge de la retraite, ils ont fait un recensement général. C'est quand le président Alpha Condé est venu qu'ils ont mis des mesures en place pour les faire partir. Il n'y avait pas de problème. En 5 septembre, les retraités là, ils ne rassalèrent Tongoma à temps. Mais vous, vous êtes venus. Il n'y a pas de climat de confiance. La classe politique aujourd'hui est rejetée. Vous pensez que les partenaires, là, ils sont bêtes? Vous pensez que les partenaires... Le président Alpha Condé, regardez. Ils ont fait venir combien de partenaires avec de l'argent injecté dans l'économie. C'est pourquoi l'économie guinéenne se portait bien. Mora chiffre d'affaires dans les mines. Donner des permis à des Guinéens de vendre aussi la bauxite comme les étrangers. Nabiri. Mais aujourd'hui, Obara, vous avez retiré tous ces permis. Il n'y a pas de climat de confiance. Nos banques aujourd'hui, c'est ces moussoumes. Même les banques privées, il n'y a pas d'activité dans le pays. C'est la faute de qui? Ça, c'est le savoir. Ça, c'est le savoir. C'est pas le commandement. L'armée, c'est le commandement. Pour dire, voilà, prenez les hommes, agissez, faites ça. Mais économie, savoir nara go. Économie, savoir nara. Mengeyafa, expérience, savoir nara. Président Alpha Condé, Allah, Dieu lui a fait un don. Allah donne à Firama. Même à la santé, à la nana Firama. À la longévité, à la nana Firama. À la relation depuis tout petit en France. Il était le président des étudiants noirs. Menge bébé, que ce soit Éthiopie, que ce soit Congo, que ce soit le président du Nigeria, le président Tinubu, que ce soit le président, l'homme qui vient d'être nommé au Libéria.
tous ces gens-là, le président Alpha Condé, les grands hommes du monde, les Tony Blair, les Kouchner, les milliardaires comme les Soros, Dieu a fait que le président Alpha Condé a connu ces gens-là, à Borina Nanira, à la Mounafima Birim. Omatora, quelle heure la Guinée n'a mindé? Malgré que l'État guinéen ne lui donne 5 francs comme salaire. Comme 5 francs. Demandez si le CNRD. D'abord, ils ont pris son passeport, tous ses documents. Mais Allah, vous le voyez, il est heureux. Il a voulu le bien pour le pays. Ceux qui l'ont nourri, Ouamato, a rassouri Mato. Mato Abou Mamène. C'est-à-dire, lui-même, il m'apporte le sourire. Le président Alpha Condé, lui-même, Moutan Yati Nagan Lama Mugawaya Abe. C'est lui qui nous réconforte. Donc, moi, je vous ai dit, continuez vos bêtises là. Ali Touré, continuez à rabaisser. Non, dites-moi, Noroma. Si vous voyez que le pays aujourd'hui, vous demandez aux gens de prier. Le président Alpha Condé, il y a eu Ebola. Ce que vous demandez là, on n'a pas demandé. Il y a eu Ebola. Il y a eu des manifestations. On n'a pas demandé ce que vous... Ça dit tellement que vous êtes paniqué qu'on n'a les gens de prier. Pour... Non. Hey, quand on est juste là, Allah, la baraka là, c'est dans la vérité. Quand tu es juste, Léman, tu auras de la baraka. Mais vous ne voulez pas être sincère. Vous êtes ingrat. Vous avez rabaissé ceux qui vous ont tout donné. Vous continuez à les insulter. Que Dieu va faire grâce pour... Quelle grâce Dieu va faire? Dieu est juste, hein? Allah est juste. Vous voyez dans la Bible, le Saint-Coran, tout est clair. Faites du bien. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas forniquer. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas condamner quelqu'un parce que tu as la force de façon injuste. C'est tout ce qui est dans le Coran. C'est tout ce qui est dans le Coran. Ça, c'est aussi la constitution de Dieu sur nous. Ça, c'est notre constitution. Le Saint-Coran, là. Il a créé son monde. Mais s'il avait mis les meleques là. Mais comme Dieu a été patient, les anges ne font que noter tout ce qu'on fait comme bien, comme mal. On nous a dit, il aura le jour du jugement dernier. Mais nous, dans ce monde, on a créé la police, la gendarmerie, l'armée. Il y a la justice. Et quand on fait quelque chose, on nous condamne ici. Mais quand on doit le faire de façon juste. Si quelqu'un est innocent, il faut le laisser. Mais aujourd'hui, vous avez condamné, non? Monsieur Touré, qu'aux 6 mois, parce que vous êtes fort, parce que vous voulez arracher la terre des habitants de Corentin, parce que vous êtes fort aujourd'hui, vous pouvez les dégager, vous pouvez prendre les armes, les chasser de chez eux. Ça, c'est l'injustice. Ce sont des signes qui font que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il se lève, l'oronara anoukhono, Oma, vous allez voir comment vous allez mal finir. Otayati, où vous ne vous attendez pas, c'est là-bas, ça va partir. Wallahi. Orana, injustice. Lorondé, on va se réveiller. L'affaire là est finie. Je vous jure. Je vous ai dit, il fallait que la Guinéka ara fisrilom balia alara masse moubene. Parce qu'il fallait qu'on ait présent le Fakone Moufa. Eh, il n'est pas bon. C'est un dictateur. 3e mandat. Nanani, nanana. On parle d'alternance. Oui. Si d'autres ne font pas bien, pour que d'autres viennent. Sinon, Maka Mene, Arabie Saoudite, Royaume Nana Mene, Maroc, bonne gouvernance, Birin, on critique, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est bon. Président Alpha Condé Ratem, on n'a pas parlé de courant, on n'a pas parlé de route, on n'a pas parlé de la vie chère, mais on dit 3e mandat. On l'a diabolisé. Malgré ses relations, ce qu'il pouvait apporter à la Guinée, on a oublié tout ça. Faux mouton. C'est ça le problème du Guinéen. Moi. C'est ça le problème du Guinéen. Si ce n'est pas seul ou d'autres, ils ne veulent rien comprendre. Si ce n'est pas Alpha Condé, d'autres ne veulent rien comprendre. Si ce n'est pas Sidia, d'autres ne veulent rien comprendre. Alors la Guinée a fait, c'est ça le problème. J'ai mis la photo du président Alpha Condé. On nous commentaire et tout, vous allez comprendre. Mais quand on met la photo de celui aussi, vous allez comprendre. Quand on met la cité, c'est ça le problème du Guinéen, la mentalité. C'est ce que nous devons changer.
Si c'est un peuple qui mérite, nous le soutenons, non des Faris. On est tous des Guinéens. Mais tant que les gens sont là en train de favoriser le régionalisme, on voit des forestiers, des malinqués, des peuls, des soussous. La Guinée Moussigama Dede, on va traîner et c'est toujours des vauriens qui vont nous diriger. Comme des vauriens qui sont à la tête aujourd'hui. Mais quand il y a l'amour entre nous, mérite nanas femme, nere karangre, birimbe, loni fay nanerebe, ni nantima. Parce que et na fanyiraba, ça profite. Quand il y a le courant, ça profite à tout le monde. Et ne krafanyiraba. Regardez les pays comme Cap Vert. Des petits pays comme ça. Moura ressources dans les Bera. Mais c'est le mérite qui est dans ces pays-là. Même chez Kagame. Même s'il est dictateur ou quoi. Mais le mérite. Mérite nanamène. Moutangwen. Mérite Moudouna. Paul Kagame Karangane, l'on iranara. On ne peut pas comparer Paul Kagame à Mamadi. Ils n'ont pas les mêmes niveaux. Kagame a étudié ici. Kagame étude Fahinan Nabare. Est-ce qu'on peut le comparer à Mamadi? Moutan, 21e siècle. La République de Guinée. Qui a été une grande nation. Je vous ai dit, tout ça là sanctionne. Voilà. Merci mon frère Samaba. Dieu a fait ça sur le peuple de Guinée. On prie des. On prie. Moussara Kabama. Mais bébé, mais fanyi bébé. Imam Fanyenana. Pasteur Fanyenana. Archevêque Fanyenana la Guinée. Mais Dieu, il a voulu ça pour nous. La Guinée Karabour. Nous sommes au début, hein. Mora démocratie. Tout ça, ce sont des signes, des exemples. Aujourd'hui, regardez. Foulé Malinké, il se parle aujourd'hui. Amour, nana. Ceux qui ne se parlaient pas hier se parlent. Mais ça, ça va continuer sur quoi? Non dit. S'aimer entre nous. Allah même. On se dit, on est musulmans. On dit, quand tu vois ton prochain, il faut sourire. Il faut pardonner. Mais est-ce que nous, on le fait? Surtout, Mounaraoum Biri, quand le Sili joue, la joie qui est là, Moura quotidien, la Mara fini nakine. Moura quotidien, la Mara fini nakine. C'est le meilleur qu'on sélectionne. Gouvernement fan Lamara fini nakine. Il faut qu'on sélectionne les meilleurs. La Guinée Kadi nere karanga. Loni na nere ira. Nous devons les aimer comme ça. De la manière dont le Sili joue. On ne dit pas peu le malinke soussou. C'est l'emblème. Moura drapeau mounana matoma. Awa, c'est comme ça nous devons faire aussi avec la Guinée. Mais tant qu'on est là, de kasose mou fini mengera. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit ma position dans le RPG. Si ce n'est pas Dr. Kassouri, Mundetima, peut-être Nsigama Yirigbetene. Parce que il faut qu'il y ait un changement dans le RPG après le président Alpha Condé. Ce n'est pas pour rien Moutanara Dr. Kassouri. Allez Dr. Kassouri Mara, Rafini Megibetera. Pour que Mrena Rafala Ade, le parti, c'est purement malinqué des trucs comme ça. Pour que notre changement tangasso. Na mentalité Ramassara. Amoufala Mahade. C'est pourquoi quand j'entends des gens, ah non, faut manika pouvoir, non, 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 je ris seulement. Toutes ces mentalités-là, on doit changer. Même ceux qui vont dire, ah non, si ce n'est pas celui, non. Toutes ces mentalités doivent changer. Quand on dit prier pour son pays, on compte prier. Celui qui peut donner le bonheur à la Guinée, qu'Allah lui donne le pouvoir, on s'en fout. Il est malinqué, il est peul, il est soussou, il est forestier. Mais un Guinéen patriote, un Guinéen qui a l'amour, un Guinéen rassembleur. Vous allez voir ce pays tout de suite là. C'est-à-dire quand vous regardez des pays comme Cap Vert, vous voyez que le courant, 100%, vous voyez les routes. Non, non, mais je me dis, attends, nous là, c'est la malédiction ou quoi? Avec toutes nos richesses, les tonnes et tonnes de bauxite, les chiffres d'affaires de bauxite annuels, 40 milliards. 40 milliards chiffres d'affaires de bauxite. Et quand on prend la bauxite de la Guinée, par un, on peut dire la Guinée aujourd'hui, deuxième non, producteur. Mais les chiffres d'affaires de notre bauxite peuvent aller jusqu'à dans les 15 à 20 milliards aussi. Mais combien nous gagnons? Si c'était bien géré, est-ce que les... Regardez les pays comme la Guinée équatoriale. Le pétrole, l'Angola, le pétrole. Nous, notre richesse,
on n'en profite pas. Pas de route. Parce que, au moment où on la fin, aujourd'hui, les balas sont venus. Ils sont en train de prendre des permis pour donner à des expatriés au détriment des Guinéens. Mais on les a expliqué ce mécanisme. On n'a pas besoin d'être gêné pour ça. On ne la transforme pas en Guinée. On ne la transforme pas en Guinée. Donc, nous la vendons. On extrait, on va vendre à l'étranger. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de Guinéens qui vendent la bauxite. Il faut que ceux qui sont devant cette vente-là, que ce soit la majorité des Guinéens. Regardez les Arabes. Quand tu pars à Dubaï, tu veux construire un hôtel. Et le directeur doit être de là-bas. Les actions, il faut que quelqu'un né à Dubaï soit à la tête. Mais chez nous, si on met d'autres actionnaires, la bauxite qu'on extrait, on va vendre chez les Blancs. La Guinée a combien de pourcents? L'argent est envoyé dans leur pays. Des Français, des Indiens, des Chinois. Mais jusqu'à présent, ils ne veulent pas comprendre. On les explique cela. Si ceux qui venaient là, on imposait pour dire, ok, vous voulez travailler, vous travaillez avec nos parents ici. On met un Guinéen devant. Un Guinéen à 60%. Quelqu'un qui vient avec ses machines et tout, tu vas travailler avec un Guinéen qui a 60%. Toi, tu n'auras que 40%. La demande est élevée aujourd'hui. Regardez les étages à travers le monde. Moi, quand je passe à Philadelphie, je vois tous ces immeubles qu'on fait aujourd'hui en fer. Ça vient d'où? Ça vient de chez nous. Ceux qui sont à Philadelphie ici, ceux qui viennent d'arriver, quand vous partez en ville aujourd'hui, tous ces étages dont vous voyez, tout est en fer. Vous voyez les chemins de fer à New York, dans les grandes villes, où les trains passent, les métros, là, tout est en fer. Ça vient d'où? De chez nous. Si on ne vend pas, beaucoup de choses seront bloquées. Donc, ils seront obligés d'acheter. Est-ce que c'est magie? Combien la Guinée gagne? Si on ne vend pas là, même on vend aujourd'hui, on gagne combien? Mais un petit groupe, à cause de leur intérêt personnel, on refuse de donner des permis à des Guinéens. On retire des permis à des Guinéens. Aujourd'hui, ils sont complexés devant les Chinois, des Indiens, des gens qui viennent chez vous. Ils ne vous apportent absolument rien du tout. L'intelligence, comme j'avais vu un doyen la dernière fois, qui disait que ceux qui sont intelligents, c'est eux qui font l'argent. Que l'argent n'est pas intelligent. Ceux qui sont intelligents, que ce sont eux qui font l'argent. Et c'est vrai. Juste, ils doivent réfléchir. C'est très simple. D'autres viennent avec leur intelligence, ils se font des milliards. Fazi Wazni est venu quoi avec? Il est venu avec quoi? Aujourd'hui, il est quoi? Milliardaire. Il avait quoi hier? Il est venu avec son intelligence. Il a compris qu'il a besoin de la bauxite guinéenne. Qui travaille? C'est nous les Guinéens. Lui, il fait quoi? Sa tête, l'intelligence. Si nos leaders ne sont pas intelligents, comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut avancer? Si nos leaders eux-mêmes, ils ne sont pas intelligents, on va gagner quoi? On est en train de faire sortir. Même si on n'a pas les moyens de transformer. Mais on vend. Il faut qu'on impose des Guinéens aussi. Non, ils sont complexés. Nyangboya, c'est ça. Ça, Frafinyere, nous-mêmes, c'est ça. Le noir ne veut pas que son prochain lui dépasse. Il ne veut pas dire. Ça dit, il ne veut pas être fier pour dire, hey, mon ami a réussi. C'est une fierté. C'est mon ami. Non. Même s'il faut le détruire et tous, il souffre, il va le faire. Voilà, ça, c'est l'ADN du noir. Mais regardez chez les blancs ici. Tu es bien, on te respecte. Moi, quand j'étais à Amazon, service qualité. Même quand je suis Amazon, sur l'application Cham, on me contacte, on me dit, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien tu peux venir juste pour 2 heures. Ils avaient besoin de moi avant que je ne quitte. 2 semaines, les Guinéens qui étaient là-bas, ils savent. On m'a supplié avant que je ne quitte d'apprendre les autres comme on m'avait appris le métier. Ce respect-là, ce mérite-là, les gens donnent ça ici. C'est pourquoi ces pays-là, c'est des pays où il y a l'opportunité. Tu veux faire du bien, tu réussis. Mais chez nous, il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui veulent apporter quelque chose à ce pays. Mais le CNRD, ils sont complexés.
ils sont complexés. Et ta main colon, Nerefa colon, ils n'ont pas de respect vers ces gens-là. Ils n'ont pas compris que si, même malgré ils ont fait le coup d'État, tous ces anciens ministres et autres-là, n'ira savoir-faire, n'ira relation. Ils pouvaient en profiter, ça allait aider le Guinée, la Guinée. Il y a de ces contacts. Il suffit qu'un individu appelle à la connaissance. Le monde d'aujourd'hui, connexionnaire, relationnaire. Mais on préfère les faire souffrir. Vous partez, les portes sont fermées pour vous. Seloudal peut faire quelque chose. Docteur Kassouri peut faire quelque chose. Même le président Fakonde peut faire quelque chose. Mais Nabiri, Naminima Misoko, Lagné, respect. Mais eux, ils sont arrogants. On va écraser tout le monde. Otamounoma. Bornak dit. On a besoin de vous sermonner. On a besoin de vous sermonner chaque fois. On a besoin de vous dire ce que vous devez faire. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Voilà. Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Je vous ai dit, il n'y a rien sur mes pages. Je vous ai dit, ils ont mis des virus. Et on a déjà la solution. Je suis en train de travailler là-dessus. Et c'est le CNRD qui va se fatiguer. Moi, je suis écouté. Mes vidéos sont partout. Vous allez sur YouTube. Toutes les vidéos que je fais dans la journée, c'est posté là-bas. Vous partez sur TikTok, mes vidéos sont là-bas. Vous partez sur d'autres plateformes, Facebook, mes vidéos sont là-bas. Donc, le CNRD se fatigue. Il se fatigue. Nous n'allons pas nous fatiguer. Voilà, je vais bien. Babenso, je vais bien. Bana Kamara, Sia Kamansare, merci à tout le monde. Tous ceux qui suivent le Général 5 étoiles, merci à vous. Merci à Nadia Bangoura, merci à Mohamed Touré, voilà, le combat continue, on est ensemble. Et tous ceux qui demandent la santé de notre femme, il va super bien, il va super bien. Lui-même, il est en forme que moi. Voilà, vous le voyez, il est en forme que moi. Le femme est en forme, super en forme. Ça, c'est là. La santé, c'est Dieu. Hein. La longévité, c'est encore Dieu. La richesse, c'est encore Dieu. Voilà, voilà. Donc, ces acquis-là, on ne peut pas retirer. Les réformes qu'il a eu à faire, on ne peut pas lui retirer. Les biens qu'il a fait, ces acquis sont là-bas. Vous partez dans toutes les préfectures aujourd'hui. Tous les bâtiments jaunes. C'est qui? Gouvernorat, préfecture. Mairie, c'est qui? C'est le président. Ça, c'est les acquis. L'hôpital, donc, a 70 millions d'investissements. C'est qui? Des ponts un peu partout. Même les projets en cours, la Guinée-Kabiria à Colomb. Si Mamadi savait chercher un projet, il allait sortir. Mais président, il faut qu'on ait Nanasiga. Accord cadre. Aujourd'hui, par la faute des bandits aujourd'hui, ce projet n'a accord cadre 20 milliards. Chaque année, 1 milliard de dollars est à Nanamfemato. Nous, on n'avait pas besoin de se fatiguer. On allait prendre la terre pour donner aux Chinois 1 milliard de dollars d'investissement. On allait construire des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. C'est cet accord cadre qui est bloqué. Même l'affaire de courant, Emma Falamaoube, il y a une politique sale derrière. Mais on n'a pas besoin de tout expliquer. Il y a une politique sale. Nana Rafote et Mounouama, président Fakonde. Président Fakonde n'a rien tort. Ils avaient vu que le développement de la Guinée a nous théma qui en arrêt. Si on avait fini avec l'électricité, l'État allait faire beaucoup de recettes. L'accord cadre et on allait faire beaucoup de projets. Tous les pays d'à côté là, ils allaient être jaloux. Il fallait faire sauter le président Fakonde par tous les moyens. Il fallait le faire sauter. Regardez, malgré Ebola, tous ces problèmes, notre économie, l'État guinéen, le seul pays, tous les fonctionnaires dans la souris, c'est-à-dire les fonctionnaires étaient payés de 23, 24, 25, plus tard le 26. Billetage, tout le monde était payé. Malgré nos crises et tout. Ça ne donne pas à réfléchir. Hein? Ça ne donne pas à réfléchir. Nos mines, il vient, il donne les permis à des Guinéens. Il y a eu combien de jeunes Guinéens qui étaient devenus des milliardaires dans les mines. Eux aussi, ils vont vendre. Quand ils gagnent l'argent, ils envoient où? Au pays. Ils investissent où? Au pays. Ils construisent où? Au pays. Ils créent de l'emploi.
quand ils mettent de l'argent à la banque, nos banques vont avoir de l'argent. Mais on a tout gâté. Tout qui s'y cambré, baya populiste. Et je vais dire à Amara, je suis déjà informé, hein, l'argent que vous êtes en train de distribuer, les jours à venir, ils ont même dit que avant ou après la fête de Tabaski, il y a beaucoup de jeunes. Vous voyez, actuellement, je ne vais pas citer de nom. Il y a des gens, ils ont reçu beaucoup d'argent. Ils ont fait des t-shirts, des soutiens. Il y a d'autres même qui ont reçu jusqu'à au-delà de 100 millions, 200 millions, 300 millions. Amara est en train de distribuer. Ils vont venir pour des soutiens de... Omuyagima, vous n'avez pas honte. Moi, je vous dis, quand on vous donne l'argent, prenez, bouffez. Bouffez, c'est votre argent. C'est l'argent des Guinéens, c'est l'argent du contribuable guinéen. Prenez, bouffez. Mais vous allez venir avec quel argument? Mamadi a déjà prêté serment. Il a mis sa main. Il a dit que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Lui, il est venu tuer des Guinéens. Vous voulez être complice de ça demain, Al-Kiama? Vous voulez être complice de tous ces crimes-là? Je veux savoir si vous voulez être des complices. Ils ont tué, ils ont dit non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Non, il n'y a pas de problème. Il a dit que lui, il ne sera pas candidat. Aucun membre du CNRD ne sera candidat. Qui ne sont que arbitres. Personne ne sera exclu. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'exclure les gens. Donc, vous voulez être associé à ce mal. Quelqu'un qui a tué la garde présidentielle. Et il va venir dire, vous poussez pour dire que lui, il est candidat. Et lorsque les politiques vont dire, non, ça c'est leur métier. Les militaires, c'est dans les casernes. La Guinée n'est pas un pays en guerre. Au Burkina, on peut comprendre. Il y a les djihadistes, on peut comprendre. Burkina, Mali. Mais en Guinée, il n'y a pas de menace djihadiste. Nous sommes en paix avec nos voisins. De bonnes relations avec le Sierra Leone, Guinée-Bissau, le Sénégal, Mali, Libéria, Sierra Leone. Nous avons de bons rapports avec ces pays. Alors, pourquoi on va garder un toto à la tête du pays? Pourquoi on va garder des vauriens à la tête du pays? Et vous êtes là aujourd'hui, en train de prendre de l'argent, que non, demain, vous allez venir pour dire à la population, hé, Mamadi sur quoi? La route nationale, c'est Mamadi. Bande de vauriens. Les chantiers en cours. Les changeurs, c'est Mamadi. Vous n'avez pas honte. Vous allez défendre Mamadi avec quel argument? L'insécurité est dans le pays. Combien de morts chaque jour? L'insécurité dans le pays. Et le ministre de la Justice qui dit que... d'ailleurs, le procureur Doumbouya, le ministre Kaba qui disent que tous ces incendies, c'est de source criminelle. C'est bien. Mais c'est à vous maintenant de nous montrer ces criminels. C'est à vous. Et l'autre procureur qui était là-bas, qui avait commencé à parler de ça, qui avait commencé à écouter les habitants de Koronti concernant l'explosion du dépôt. Comme vous le dites là, le ministre de la Justice, vous allez nous faire la lumière sur l'explosion du dépôt de Koronti. Vous allez nous faire la lumière sur les feux, tous ces feux-là dans les marchés. Vous allez nous faire la lumière. Vous avez déjà dit, hein, nous allons vous mettre la pression jusqu'on retrouve les coupables. Allez-y, hein, les citoyens de Koronti et Falane, ils ont vu le feu en l'air avant que ça n'explose. Donc, le procureur Doumbouya, le ministre de la Justice Kaba, nous n'allons pas laisser l'affaire là. De la manière dont j'ai mis le feu derrière Charles, et c'est comme ça que nous allons mettre le feu derrière vous. Vous avez commencé, vous allez terminer. Voilà. Si tous ces feux-là, ce sont des incendies qui ont été provoqués par des individus, alors c'est à vous de faire la lumière. Quels sont ceux qui sont en connexion avec ça? Il y a des caméras. Il y avait des caméras. Où se trouvait le dépôt? Mais personne ne parle de ça. Ces caméras ont été désactivées quelques jours avant l'explosion. Personne ne parle de ça. Non, tous ces trucs-là, c'est dû à ça. Arrêtez de fatiguer les gens. Donc, vous savez la vérité, vous voulez juste nous fatiguer.
Bonne nuit à tout le monde. Abaka Abana, merci. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. La vérité triomphera, Inch'Allah. Mohamed Moukta Djabi, merci. Voilà. Non, c'est des doigts ou comme ça. Qu'Allah vienne en aide à la Guinée. Mais allez s'asseoir là-bas et prions pour Mamadi Doumbouya. Eh Allah. Comment on peut prier pour Shaitan? Quelqu'un qui te veut le malheur. Quelqu'un qui vient, qui coupe l'internet. Quelqu'un qui vient, le sac de riz, pendant 11 ans, c'était entre 230 240. Qui vient aujourd'hui, ce sac de riz est à près de 400. Quelqu'un qui vient, qui met vos parents, vos familles à la retraite, plus de 18 500. Quelqu'un qui est incapable de payer les enseignants contractuels. 15 000 enseignants contractuels, plus de 10 mois de salaire, ils ne sont pas payés. Quelqu'un qui vient, ceux qui l'ont acclamé, qui ont applaudi pour lui. Combien de jeunes de l'Axe aujourd'hui sont tombés? Fonike Mangue, Trembalé, mis en prison. Et là, seul dans les maisons cassées. Et à la Guinée-Ka, Oufan, Yagi. Vous qui prenez l'argent aujourd'hui, là, que vous allez défendre Mamadi, Oumou Yagi, ma. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Kao Tangwa m'a fini fait Mounduna. Saraka. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas de frères pour faire des campagnes pour eux. C'est-à-dire, autant a fini ce pays-là, autant a fini Sarakatana, quoi. Mais quand il va falloir fouillanté, Naganaki, Omato fouillanté, Anabeto, Anamenitina, Anabeto, Anamenitina, Anabeto, Anamenitina. Moi, je vous dis, hein, le jour que je vais prendre l'argent du CNRD, Ndundu Mane, Mouayema, Kawa ma fouillanté à Rabafé, Odundu. Mais Falafé aura cobre Tongo, Omanga Fao, Hui Masara. Parce que c'est l'argent du peuple. Moi, je vous ai dit, mais on cobre ce hier, quand on m'a tongo dans Canada au fort. Mais on n'a pas ma position Kérémar, parce que moi, ma position n'a pas mon homme. Mais vous, on vous donne, prenez, cassez-vous. Et on m'a au fin de fait cobaye nana, on m'a au fin de fait fait bête, mais qui bête nana. Comme ma kunka fissa djamfaye, se taire, c'est mieux que de trahir, parce que c'est le peuple que vous allez trahir. Mamadi dit que le président Alpha Condé, son bienfaiteur, n'avait pas droit au troisième mandat. Qu'il a tué les soldats, qu'il a renversé le pouvoir pour que la Guinée ait un président élu. Voilà. Donc, lui, il a juré encore sur quoi? Sur le Saint-Coran. C'est pourquoi j'ai dit on peut jouer avec les hommes, mais on ne peut pas jouer avec Dieu. Voilà. Donc, le référendum dont il est en train de parler, ce n'est rien d'autre. Non, il va être... Ah, le président Alpha Condé n'avait pas fait de référendum ici. Ça dit, vous voyez comment ces gens-là... Le président Alpha Condé n'avait pas fait de référendum ici pour dire, voilà, on va faire ça là, je vais être candidat. Il n'est pas passé par un référendum si les gens étaient contre. Mais il a fait ça. Vous venez, vous tuez les soldats, vous l'enlevez. Vous voulez encore faire ce même référendum? Qu'au dire Mamadi, mais ça ne va pas chez vous. Est-ce que vous aimez la Guinée? Et la gestion du président Alpha Condé, on ne peut même pas comparer avec la gestion des bandits. Là. Donc, ceux qui ont reçu l'argent, bouffez l'argent, mais ne faites pas ce que ces bandits-là vont vous demander. Donc...